Bonjour tout le monde. Hello everyone. Désolé, on a essayé de faire cet entraînement ensemble en direct sur Facebook, mais des problèmes de technique. I'm sorry everybody, we tried doing this live on Facebook, but we were having some technical problems. But I'm still here. I've got energy. Moi je suis ici avec vous. J'ai plein d'énergie. J'espère que vous avez l'énergie aussi. Alors, on va commencer à faire l'entraînement ensemble, filmé comme ça. So I'm hoping you still have some energy, maybe a little bit of stress. We're going to get that stress worked out together. So follow along with me. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comme je vous avais dit, on a besoin d'une serviette et une bouteille d'eau. We need a towel and a water bottle. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une bouteille d'eau? La hydratation, extrêmement important. Hydration, super, super important. That's why we need the water bottle. Mais on va aussi l'utiliser comme outil plus tard dans notre entraînement. We're also going to use it as a little tool, little weight, later on in our training. So, I hope you're ready. If you're not ready, pause the video right now. Go get all your equipment and come back when you're ready. We're just about to start. Si vous n'avez pas vos équipements, vous appuyez sur le bouton pause et reviens quand vous avez toutes vos affaires. Si vous êtes prêts, moi je vais commencer mon musique à moi et on va commencer avec des échauffements. On commence ici. Toujours important pour bien échauffer avant de faire des activités physiques. Always important to do some movements before we start working out. On commence avec les bras, we start with our arms. Big circles forward. Des grands cercles vers l'avant pour assouplir. Encore deux, un, deux. Et on change direction. Change directions. We're going backwards. On fait 10 comme ça. Encore 5, 4, 3, 2, 1, excellent! Ouh, les bras, ça commence à chauffer. Arms are getting warmed up. Maintenant, les hanches. On met les mains sur le bassin. Hands on the hip et on fait des grands cercles. On bouge comme ça, des grands, grands cercles. Ça aide à bouger les hanches. It helps to move the hips. Get them to loosen up. Good. Keep it up. On continue. Et on change direction. Sens opposé. Change directions. Big circles for the hips. Good. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Excellent. Prochaine. Next, we're going to work our legs. Si on a un mur qui est proche de nous, on va commencer à faire des mouvements des jambes. We're going to start by swinging our leg. Good. Keep it up, on continue. Et on change de jambe. Other leg. Essayez d'être tout droit avec le corps, seulement la jambe qui bouge. Try to stay straight with the body, only the leg that moves. On continue, on continue. Good. On a fait vers l'avant, vers l'arrière. We did the front and the back. Maintenant, vers le côté. Les mains sur le mur. La jambe in and out, vers les deux côtés. Good. On continue, we keep going. Et on change de côté. Good. Just loosen up those hips. On va travailler les jambes beaucoup aujourd'hui. Alors on veut qu'elles soient chaudes, qu'elles se sont assouplies. Et on commence à bouger. Si vous sentez que vous êtes toujours un peu raide, if you feel like you're still a little stiff, faites-le une deuxième fois. Ça, c'est le pouvoir d'être pas sur le live. Vous pouvez
de recommencer et le faire encore. That's the pleasure of not being live. You could pause, do that small little warm-up already, again. But we're going to move into a little bit of the cardio. On va commencer avec un peu de la cardio. Alors, on va commencer à juste à sauter. Je vais commencer mon timer, mon chrono. Et je vais regarder, on va faire ça pour 1 minute. I started my timer, we're going to be doing this for 1 minute. On saute. The light on our feet. On n'est pas trop pesant, trop lourd. C'est des vifs mouvements avec les pieds. Si on est confortable, on peut commencer à faire des mini punch. On bouge. On respire. We move. And we breathe. Keep going. Almost there. Presque là. Continue. On continue. Almost there. Encore 10 secondes. 10 more seconds. Good. Prochain exercice. Excellent. Bien fait. First one. Good job. Next one, 1 minute of jumping jacks. On y va. On peut aller à notre limite, mais on donne tout ce qu'on peut. On respire, mais on respecte le corps aussi. Je peux ralentir. Okay, go at the pace that you're comfortable with. Moi déjà, je commence à être essoufflé, c'est correct. Mais on continue. On bouge. Good. On respire. Keep breathing. Excellent. Ouh, ça commence à chauffer déjà, déjà. It's already getting nice, hot, and sweating. Good. I hope you like it. It's a cardio workout. C'est un entraînement cardio. Prochain, on va faire des fentes. You're going to take a step forward and do lunges. Alors, suivez-moi, on fait ensemble. Follow me, we do it together. Step. 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 Excellent, on continue. On continue. On respire. Good. Good. Ça serait le fun si tout le monde était avec moi, mais malheureusement, problème technique, moi je donne l'énergie pour tout le monde. It would have been nice if everyone was here with me. But it's okay. I will give the energy for everybody. So you can do this at home. Keep it up. Almost there. On continue. Ouh, good. Quatrième exercice, le cardio. Oui, le cœur, ça commence à battre. C'est un entraînement 30 minutes, c'est 30 minutes warm-up, or exercise. Alors, il faut faire beaucoup de choses dans une mini période de temps. A lot of things to do in one small period of time. On commence maintenant avec les jambes. On lève les jambes. On respire. Essaye de toucher un genou avec la main opposée. Touch one knee with the opposite hand. Si c'est trop facile, if it's too easy, on augmente la vitesse. We're getting some energy back. So we're increasing the speed. Toujours facile, still easy. Go a little faster. Toujours facile, un peu plus vite. Si c'est difficile, on continue à la rythme confortable. If it's hard, we go at the rhythm that's comfortable. But, you want to take it up a notch, si vous aimeriez faire le plus ensemble, on commence à faire comme ça. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, excellent. Bravo. Excellent, vous êtes toujours avec moi. I hope you're still with me.
On respire. Si on veut, on peut prendre une mini gorgée d'eau. Take a little bit of a water break. Pas trop. Don't take too much. Yeah. On va recommencer séance cardio maintenant. Et on commence juste en bougeant. Start just moving like this. Et on commence à sauter. Good. Follow along with me. We're gonna start back where we started. These light jumps. Good. Comfortable. I know, I started off hard. Je sais, j'ai commencé vraiment difficile. Mais je sais que vous êtes capable. I know you guys are all able to do it. So, keep it up. Go at your rhythm. Have confidence in yourself. And you can get through it. Alors, on continue. Donne-moi tout ce que vous pouviez. De toujours. Soyez conscient. Si on a besoin d'une pause, c'est correct. On commence avec les bras. Punch, 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 punch. On respire. We breathe. Good. On continue. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Another 10. You can do it. Tu peux faire. Encore. On continue. J'ai de l'énergie en marche. J'espère que vous avez aussi. I've got plenty of energy. I hope you do too. Let me see it. On continue. Important. On respire. Et on change. Défonte. Un peu plus relax. Chance pour regagner contrôle de la respiration. A little bit more relaxed. Chance to regain control of your breathing. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Breathe in from the nose. Out from the mouth. On continue. Presque là. Presque arrivé. Good. On keep it up. Keep it up. Après ça, on va faire un peu plus la muscu. After this, we're going to do a little bit more of the strengthening. Give our heart a chance to relax, but still keep beating. We're going to work on getting a little bit stronger in our legs. Et pour l'instant, on continue avec ça. Après, on va renforcer un peu plus les muscles des jambes, aussi de chest et bras. After, we're also going to work a little bit on our chest and our shoulders. On continue. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Finalement, dernier exercice cardio-aérobique. Les jambes. Encore. Choisissez la cadence qui est bonne pour vous. Last one we're going to do, the marching for the cardio. Going to choose the rhythm and the speed that works for you. We're going to do it for 30 more seconds. Alors, on commence à augmenter la vitesse. 30 more seconds, 30 secondes. Let's go a little faster. Si vous êtes capable, suivez-moi. On continue. Keep going. C'est correct si tout le monde vous entend. Vous êtes en train de s'entraîner. C'est excellent. It's okay if you're making noise and people hear you. Keep going. Be proud. You're training. Keep going. Encore. Excellent. Woo. Difficile. I know. Moi, je respire fort, mais c'est excellent. I love it when I start to breathe hard. It makes me feel alive. Take a small sip of water. On respire.
Excellent, félicitations, c'était la portion cardio. Si vous aimeriez, vous pourriez faire un troisième fois si vous êtes vraiment plein d'énergie. You have a lot of energy. Feel free to continue a third time. Pause this and restart it. Maintenant, je vais expliquer les quatre prochains exercices de musculation, de renforcement. Next, I'm going to explain the four exercises for strengthening. Okay? Premier exercice, ce serait la planche. First exercise is going to be the plank. On a trois variations. Variation numéro un, contre un mur. First variation, on the walls. On est tout droit ici et on va attendre. Variation 2 sera ici, à terre. Variation 3, plus difficile, sur les coudes. Ça, c'est exercice numéro 1. Exercice numéro 2, dans la même position. On va continuer avec 10 push-ups. Contre le bras, ça regarde comme ça. Et si on est à terre, comme ça, on peut mettre le genou à terre, faire des push-ups, ou on peut faire des push-ups au complet, comme ça. Ça, c'est exercice numéro 2. Exercice numéro 3. On va faire des pompes. Sur le dos, on lève le bassin. On our back, we lift the hips. Good. Travail les fessiers, c'est excellent. Finalement, exercice numéro 4 pour les abdos. Première progression. Un jambe. Deuxième progression. Enlève les deux jambes en même temps. Troisième progression. Tous les jambes ensemble. OK? Bien noté. Do you follow all of that? We're going to go through it all together, so don't worry if you missed it. Est-ce qu'on est prêt? On va commencer maintenant avec la planche. Choisissez la position plus confortable. Find the plank that's most comfortable for you. Me, I'm going to do it on the ground. On va faire 60 secondes. We're going to do 1 minute. Alors, on commence. Toujours on respire. Essayez d'avoir le dos bien droit. On engage les abdos, on serre les fesses. Try to have a back straight. Engage the abs. Squeeze the bum. Nice and strong. We breathe. Good. Keep it up. We're doing 1 minute. Almost there. On continue. On respire. Keep on going. On est presque là. Si vous avez besoin d'une pause, prends une mini pause, mais recommence. On continue. 5, 4, 3, 2, 1. On va directement en push-up. Si vous avez besoin, on peut laisser les genoux à terre. Et on fait 10. We do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Excellent. Facile? J'espère. Easy? I hope. But we still want to challenge ourselves. On veut toujours trouver le défi. On tourne, on se met dans la position de pont. We turn onto our back into the position for the bridges. Toujours, on engage les abdos. We always keep our abs turned on. On serre les fesses, we squeeze the bum. Et on monte. 1, 2, to be a little bit harder, on met les bras dans l'air. 3, to be a little bit harder, arms in the air. That's 5, 6, 7, on va faire 20, we're going to do 20. That's 9, 10, encore 10, si c'est trop difficile, les bras ici, too hard, arms over here. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, et 10. Ouh, excellent. Finalement, les abs. Next, les abdos. The abs. Easiest, if you need, go like that. Lift just one leg at a time. Next progression, c'est comme ça. This is the progression. Deuxième, troisième progression, au complet. Hardest progression, the legs. OK, on va faire 20 ensemble. À vos marques, prêt, partez. Ready and go. 1, 2, 3, 4. Faites pas comme moi, on laisse la tête à terre. Don't do like me lifting, head stays on the ground. 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on est capable de faire encore 10? I think so, mais moi je vais continuer avec les jambes comme ça. If we're able to keep going, we do it. We can make some adjustments if we need. Let's keep going. 5 more. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent. Woo! Small break. Small water sip. So whoever's wondering how come we need water, how come we need towel, I hope it's apparent now. Pour ceux qui questionnaient pourquoi on a besoin de serviettes, j'espère que c'est évident maintenant. On respire. On recommence. En 15 secondes, les 4 exercices encore. On va recommencer avec la planche. Dans 5, 4, 3, 2, 1. We're going back to our plank. Choose the one that's best for you. Choisissez celle qui est mieux pour vous. On commence. 1 minute. Encore les abdos bien contractés. On serre les fesses. Colonne tout droit. Again, our abs are squeezed. Our bum is squeezed. Our back and our spine nice and long and straight. On continue, on respire. We continue, we breathe. 30 seconds, 30 secondes. Keep going. If you need to take a break, bring the knees down. But bring them back up. Si vous avez besoin d'une pause, on peut mettre les genoux à terre, mais on remonte le plus vite possible. On continue. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et... Ouh! Oh, j'ai oublié. I forgot. Next. Directement, push-up. Next, push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, excellent. On respire. On est presque là. We keep breathing. We're almost there. Si la dernière fois les pompes étaient trop faciles, last time the legs were too easy. On va faire seulement un jambe. We're going to do only one leg. On monte 10 fois un côté. Si c'est trop difficile, on revient pour ici. On commence. 1, 2. If it was too easy last time, go with one leg up. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on fait un jambe, if we're doing one leg, we switch. Otherwise, we keep going two legs. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one. 10. Excellent. On revient.
Une dernière, 20 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, final 10. It's okay to go with just one leg if that's what gives you a nice exercise. So we keep going. Choose the progression that's good for you. Choisissez la progression qui est bon pour vous. Si ça c'est assez difficile, on continue. Encore 3, 2, 1. Excellent. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Si vous aimeriez, if you would like to, do that a third time. Pause the video right now. Repeat all of them. Si vous aimeriez encore plus de défis, pause la vidéo maintenant et refais une troisième fois. Si vous êtes prêt de continuer, if you're ready to continue, on bouge pour la section d'équilibre. Avant de prendre l'équilibre, before doing the exercise, encore un peu d'eau, pas trop, just a little bit of water. And I will teach you the two exercises for balance. Et non, les deux exercices pour l'équilibre. On a besoin d'une bouteille d'eau pour ça. On va se mettre sur un jambe. Si ça c'est trop difficile, on arrête ici. If that's too hard, we stop here. Si c'est trop facile, on va prendre une bouteille d'eau dans un bras et on va bouger d'un côté à l'autre. If it was too easy just to stand there, we're going to move the water bottle from one side to the other. On va faire 30 secondes les deux côtés. Ça c'est statique. That is static strength, static balance. Après dynamique, on va remettre ça à terre. On va mettre un pied, on va mettre one leg in front, we're going to go forward. On va aller vers le côté, we're going to go out backwards, et on va aller en diagonale en arrière, diagonal backwards. Et on va faire tout ça pour 1 minute aussi. Okay? That's our last block, ça c'est notre dernier bloc d'équilibre. Est-ce qu'on est prêt? J'espère que vous êtes prêts. Okay? Regardez-moi si vous avez des questions. Look at me if you have questions. Essayez de refaire ce que je fais. Try to copy what I'm doing. On va se mettre sur un jambe. 30 secondes, ça commence. Si c'est trop facile d'être comme ça, on penche un petit peu. If it's too easy to go like this, we bend a little bit forward and we move our arm. Essayez d'être plus stable que possible. Try to be as stable as possible. Move the water bottle from one side to the other, slow and controlled. Bougez la bouteille d'eau d'un côté à l'autre, stable, contrôlé. Si c'est trop difficile, juste comme ça. Excellent. Ça fait 30 secondes, on change de jambe. 30 seconds, change the leg. Choose the one that's easiest or that's best fit for you. If this is a challenge, on fait juste ça. Si ça c'est le difficile, ça c'est le défi, on continue comme ça. Si on est capable, on nous donne le défi. We challenge ourselves if that's too easy. Move side to side. Again, back straight, nothing moving except for the arms. Seulement les bras qui bougent. C'est difficile, it's hard, I know. Better to do it well than to fall all over the place. C'est beaucoup mieux de le bien faire que d'être en déséquilibre et tomber partout. On est contrôlé. Excellent. Maintenant, un peu plus dynamique. Bouteille d'eau, on donne un peu d'espace. On commence sur la gauche. We start on our left leg, water bottle to the side. We're going to step forward. On prend un pas vers l'avant. On prend un pas vers l'arrière. Et on prend un pas vers l'arrière en diagonale opposée. Again, in English, we go forward. Try to keep control of that knee. Go outwards, backwards, and diagonal backwards. If it's too hard, si c'est trop difficile, allez moins loin. If it's too hard, don't go so far. Excellent, ça fait 3 d'un côté, on va faire 3 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4,
squat. We did 3 cycles on one side, we're gonna do 3 on the other. 1, 2, 3, and the third cycle, troisième, 1, 2, 3. Encore une deuxième série, les deux côtés, same thing, other side. That's 1, ça fait 1. On cherche l'équilibre. 2, keep our balance. 1, 2, 3. Finally, finalement, encore à gauche ou à droite. Good. Essaye d'aller le plus loin possible. Those who do artistic figure skating, this is excellent for you. Speed skating, excellent. Ceux qui font le patinage artistique ou patinage vitesse, ça c'est excellent pour vous. Félicitations. On respire, good job, we breathe. We're almost there. We're gonna do one more time with the water bottle. Encore avec la bouteille d'eau. On va commencer sur la jambe gauche, we're gonna start on our left leg. Hips, back, leg moves behind us. I'll do it from this angle so you can see. On va faire 30 secondes, comme ça. On commence. Si on veut bouger la bouteille, c'est comme ça. Good. You want to move the water bottle? It's like this. Go as far as you're comfortable. If we need to, we just stay here. Again, keep going. Almost there. Keep that balance. And relax. Jambe opposée. Again, choisissez celle qui est plus confortable, efficace pour vous. Si vous aimerez le plus de défis, on se penche au complet. Et on bouge. If this is too easy, go for all the way forward. I find that hard, I'm gonna do it here. Moi, je trouve ça difficile, je vais faire d'ici. Contrôle avec les chevilles et les fessiers. Control with your ankle and your hip. You keep going. Almost there. Good. Finally. Last one, how are we doing? We're gonna do our last one over here. We're gonna go forward. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. And troisième fois. 1, 2, 3. Jambes opposées. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Finalement. 1, 2, 3. Excellent. Excellent. So, to finish off any workout, most important thing to do is to do an extra stretch at the end. Plus important, c'est de faire un étirement à la fin. Alors suivez-moi, on va faire un étirement de 5 muscles, vite, vite, 30 secondes, chaque jambe, chaque muscle. We're going to do 30 seconds each muscle. On va mettre un jambe en avant, one leg in front. Et on va amener le bassin, les hanches en arrière, we're going to bring our hips backwards, lean forward pour s'étirer les ischios, to stretch the hamstrings. 30 seconds, count with me. Almost there. Keep on going. Breathe. If it's too strong, come up a little bit. What I don't want, je veux pas qu'on courbe au dos. C'est vraiment les hanches. I really want those hips back. Good. If it's too much, come up a little bit. Shake it out. Shake, shake. On change. Jambes opposées. Hips back as we go forward. Je veux pas qu'on arrondisse ici. Ça triche. This we're cheating. We want our hips backwards to get forward. If you can't touch our toes, that's okay. Bring the body forward as much as possible. Si on ne peut pas toucher les orteils, c'est correct. On se penche le plus que possible. C'est confortable ici pour les ischios. Excellent. Prochaine. Quadriceps. On touche un mur pour l'équilibre et on tire le pied vers le fessier.
Hold hand on the wall. Bring our foot to our bum. Je veux pas voir ça ni ça. Ça, ça triche. That's cheating if we go out or up. Keep that knee back, close to the other one. Genou proche de l'autre genou et en arrière. On respire, on relate et on change de jambe. Good, almost there. Respire, même chose cette côté. On respire. Excellent, continue. Good. Et on relaxe. On va faire pour les bras. On croise un bras vers l'avant for the shoulders. One arm goes in front. Other one crosses over the elbow. L'autre, ça vient par-dessus le coude. Et on tire pour s'étirer ici. À peu près 30 secondes. On respire. Good. We breathe. You did great. Soyez fier. Be proud of yourself. On change de jambe. Switch arms. And breathe. Almost there. We have one last minute of stretching. Excellent. On amène un bras par-dessus la tête en arrière, l'autre vient sur le coude et on tire. The last one, hand goes behind the head, onto the shoulder, onto the elbow, and bring it to stretch over here. L'étirement, c'est pour ici. Enfant pose. Dernier étirement, ici le bras en arrière. On s'étire, on respire. Quand on fait des étirements, c'est supposé d'être confortable. When we're doing stretching, it's supposed to be relaxing. Je veux pas que c'est la torture, je veux pas une grimace. I don't want it to be torture or for you to really be straining the face. On respire, on relaxe. La fréquence cardiaque, elle commence à diminuer, à relaxer. Our heart rate's coming back to normal. Breathe. Ready to be proud of ourselves. On est fiers de nous-mêmes pour s'entraîner aujourd'hui. J'espère que moi je pourrai faire encore une autre essai de Facebook Video Live. I hope that I could do another attempt at Facebook Live. Mais pour partager un peu de l'amour avec la communauté, to do a little bit of sharing the love with the community, je veux que vous preniez une photo de vous-même après l'entraînement. I would love for you to take a picture of yourself after this training. Et de l'afficher sur la page Facebook des Olympiques Spéciaux Québec and to post it onto the Special Olympics Facebook page avec le hashtag ChallengeOSQ. Attach it with the hashtag of ChallengeOSQ. Et avec ça, moi je vais voir que vous êtes là avec moi. Moi je vous avais donné toute mon énergie et j'espère que vous avez donné votre énergie aussi. I gave you all of my energy. I hope you gave me all of yours too. So post those pictures on Facebook et j'espère de vous voir encore super. I hope that I'll be able to see you again soon. Félicitations. Au revoir.